Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire des boulettes à la ratatouille. Donc, la recette pour les boulettes de bœuf, vous la trouvez sur la chaîne, et pour la ratatouille également. Donc là, j'ai sorti ma ratatouille du congélateur. Je vais retirer ma viande une fois que je l'aurai passée dans un petit peu de farine. Je vais la faire retirer et ensuite, je mettrai ma ratatouille dans la poêle et je laisserai mijoter à couvert. À tout de suite. Voilà, donc mes boulettes, je les ai mises dans la farine. Je vais les mettre à rôtir dans ma poêle. Donc, je vais les faire revenir. Et on va les faire rôtir sur toutes les faces. Voilà, donc mes boulettes sont bien rôties de partout. Ma ratatouille a bien dégelé. Donc je vais ajouter la ratatouille va finir de fondre. Je vais baisser un tout petit peu le feu dès que ce sera bien fondu et je couvrirai pour laisser mijoter. Donc pas besoin d'assaisonner puisque j'ai assaisonné ma ratatouille et assaisonné ma viande. Et c'est clair qu'une fois que c'est cuit, il faut goûter et puis s'il faut rajouter, bon, on rajoute. Mais normalement, là, il n'y a pas besoin. Voilà, là, ça va commencer à bien mijoter. Alors, moi, je fais toujours un repas unique quand je fais ça, parce qu'il y a les légumes et la viande. Mais si ça ne vous suffit pas, là, c'est pour deux quand même, il y a pas mal. Hein. Vous pouvez faire des pâtes à côté. Des pâtes, de l'éblis, du riz. Ce que vous voulez. Voilà, donc là ça se remet à mijoter. Donc je vais couvrir, baisser mon feu et laisser cuire jusqu'à ce que la viande soit cuite à cœur. Donc il faut bien 10 minutes, un quart d'heure. Hein. À tout à l'heure. Donc voilà, au bout d'un quart d'heure, enfin 17 minutes. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à servir. Bon appétit !